Claire, Hélène, la dernière saison s'est terminée avec une Stéphanie qui voulait quitter, un peu abandonnée par ses amis, et finalement décide de revenir. Est-ce qu'on continue dans cette veine-là cette année? Oui, en fait, elle devait aller régler quelques petits problèmes, puis elle a eu la chance que ses amis reviennent. Donc, elle n'est pas allée au loin chercher le pourquoi elle était comme ça. Elle avait besoin d'être seule. C'est ça. Donc, en fait, ça va la rattraper. C'est le personnage de Michel, qui est joué par Danette Parent, qui va venir la replonger dans cette chose où elle ne veut pas aller voir. C'est une espèce de psychanalyse, là. Oui, c'est ça, qui va l'aider, qui va y prendre la main, va dire, là, tu as voulu te sauver, tes amis sont revenus, tu as été chanceuse, mais tu ne peux pas t'en sauver. Il faut que tu affrontes cette affaire-là que personne ne sait, mais que lui sait, on va comprendre pourquoi aussi, parce que pourquoi lui le sait, ça reste à voir. Puis, donc, il va l'aider à aller faire le ménage, un vieux souvenir de famille que Steph garde en elle, puis qui va expliquer beaucoup pourquoi elle est comme elle est, pourquoi elle a voulu que les filles se regroupent dans la maison. Il y a Anne qui m'appelle, c'est très drôle. Et pourquoi elle a trouvé des bébés, pourquoi elle ne réussit pas dans ses relations. Alors, c'est vraiment la trame de Steph cette année, ce drame dont on va avoir la révélation. Et sa relation avec Hugo? Avec Hugo, ça va bien. Il y a une belle relation cette année. Il va continuer de lire. Il va continuer de lire et aussi on va savoir, il va commencer à s'enligner, peut trouver qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie. Donc ça va être le nouveau sujet de controverse avec sa mère. Puis est-ce qu'on va revoir le beau Romain? Non, Romain, il est reparti en France. Il est reparti en France, c'est terminé. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir un nouvel homme qui va rentrer dans la vie de Stéphanie? Non, pas cette année vraiment, en tout cas, parce qu'elle a beaucoup de... Trop de ménage. Beaucoup autour de plus de cette histoire-là bien cachée. Mais il y a un nouveau personnage, par exemple, qui arrive, qui va aider Stéphanie dans son ménage, mais vous allez la voir apparaître. C'est une femme, je peux dire, mais elle arrive un petit peu plus tard. D'accord. Merci. De rien.